Allez, donc on voit là un petit peu l'avancée de Kevin. Il est parti du Louvre. Ah, il y a du niveau là. Il est dessus. C'est plus ce qu'il a mis. C'est plus dur. Non. C'est toi qui l'as plus vite que la machine en fait. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Accélère. Ah là c'est plus dur. Allez voilà, donc là les remparts de Rivoli. Ah, t'as pas voulu t'échauffer, hein? Ok. Une petite bière? Donc, il est là, il remonte assez rapidement. On est déjà. Et il a déjà fait 1 km. C'est tout? Ah, allez, ça pédale. On arrive toujours de Rivoli. Il va bientôt, dans pas longtemps, arriver place de la Concorde pour se trouver en face des champs. Après, sur l'arrivée, le point exact de l'arrivée du Tour de France. Et là déjà, mesdames les journalistes, vous pouvez déjà commencer un peu à vous échauffer, les barres de céréales, la bouteille d'eau, parce qu'après c'est à vous. Allez, il aperçoit la place de la Concorde. Ça y est, il arrive sur la place de la Concorde. Et Grégory Bouger qui vient chambrer, bien évidemment. Allez, Kevin, on en est à 1,7 km. Je vous rappelle qu'il y a 2,5 km à parcourir ce soir. 2,5 km. Allez, il arrive à bientôt se présenter sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Il arrive. Allez, Kevin. Allez, la foule de regarde sur les champs. Voilà. Un temps de différence de 3 minutes.